Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT dans ce mois de JVDT. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu différent. Petite intro très rapidement, on va parler donc d'un livreur de pizza qui s'est retrouvé avec une bombe autour de son cou et qui a été obligé de faire un cambriolage en suivant des instructions comme une chasse au trésor. Et il avait seulement 55 minutes devant lui. Mais finalement, ça va très très mal se finir, donc je vais vous expliquer tout ça. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour ce mois de JVDT et on attaque donc cette vidéo. Le 28 août 2003, une banque a été braquée par un livreur de pizza. D'après les caméras de surveillance, on va voir qu'il est arrivé très calmement dans cette banque. Il va même faire la queue après les clients, donc il va attendre sagement. Il tenait une canne dans sa main. Plus tard, on va apprendre que c'était un fusil de chasse déguisé en canne qui était hyper réaliste. Et une fois que c'était à son tour, il va donner un petit mot au banquier. Il va prendre une sucette et il va attendre. Cet homme en question était Brian Wells. Et le mot qu'il a remis au caissier de la banque comportait 9 pages. Mais ces 9 pages ne concernaient pas juste le banquier. Il y avait une partie qui était au cas où pour la police, une partie pour Brian. Et en arrivant à la banque, il a donc dû demander la somme de 250 000 dollars. Le banquier va très vite lui faire comprendre que c'était impossible, qu'il pouvait lui donner juste ce qui était dans les tiroirs, qui était du coup la somme de 8000 dollars. Brian, par la suite, va sortir de la banque, il va prendre son petit message et il va continuer à le lire. Vous vous demandez c'est quoi ceci? Les vrais le savent, c'est une lettre que j'écris à Justin Bieber de je ne sais plus combien de pages parce que j'étais une psychopathe. Et du coup, on lui disait qu'il devait se rendre au McDonald's juste à côté et qu'il devait donc jeter sa canne, donc à un endroit précis, avec également le sac d'argent qu'il venait d'avoir. Et c'est comme ça du coup qu'il va rentrer très tranquillement dans le McDonald's et il va trouver un autre mot avec des instructions du coup qui lui disaient d'aller dans sa voiture et se rendre à un certain endroit. Sauf que Brian, une fois qu'il était installé dans sa voiture pour partir, bien sûr la police va arriver puisqu'il a quand même cambriolé une banque. Je veux dire, il a pas cambriolé la supérette du coin, c'était une banque. Les policiers l'ont assez rapidement maîtrisé et menotté. Et en fait, les policiers n'avaient pas remarqué qu'il y avait une bombe. La bombe était donc cachée par un t-shirt. Il avait déjà menotté, donc quand ils ont remarqué que c'était une bombe, ils se sont très très vite éloignés. Ils lui ont crié dessus en disant qu'ils se mettent par terre et ils vont tous lui pointer une arme dessus. En attendant donc que l'équipe de déminage arrive. Ryan, pendant ce temps, il était quand même très très calme et il expliquait à la police que s'il voulait survivre, il devait donc continuer sa chasse au trésor et respecter donc ce qu'il y avait sur la lettre. Mais la police ne l'écoutait pas vraiment. La brigade anti-bombe va mettre énormément de temps à arriver parce que quand on a su que Brian avait une bombe sur lui, ils vont fermer toutes les routes aux alentours. Et du coup, la brigade anti-bombe s'est retrouvée dans les bouchons. Pendant ce temps, la police faisait donc des recherches en ce qui concerne Brian et ils ont donc découvert qu'il était un livreur de pizza et ils vont donc appeler son patron. Le propriétaire va donc dire que Brian était parti de base pour livrer 2 pizzas au pepperoni à un endroit en question et cet endroit était littéralement au milieu de nulle part. C'était une tour radio inoccupée à côté d'une station essence Shell. Et Brian, pendant ce temps, il parlait à la police et il dévoilait des choses petit à petit. Il va donc dire qu'il s'est rendu à cet endroit en question pour livrer la pizza et que 2 personnes l'ont attrapé, lui ont mis cette bombe autour de son cou, lui ont donné cette note. Il continue en expliquant qu'il n'a pas eu le temps de lire le mot entier parce que ça faisait 9 pages, mais qu'il fallait qu'il trouve 4 clés s'il voulait survivre. Et il va donc dire que le papier en question était dans sa voiture. Mais la police ne le croyait pas parce que c'était quand même hyper tiré par les cheveux, cette histoire de chasse au trésor. Pour la police, Brian, c'était soit un cambrioleur, soit un terroriste, donc il prenait vraiment pas la situation à la légère et la police ne l'écoutait pas. Et vous vous rappelez, sur la lettre, c'était écrit donc que Brian avait 55 minutes pour finir la chasse au trésor. Et voilà que soudainement, Brian va commencer à entendre un bip. Lui qui était très calme de base, il a commencé à devenir très agité, à paniquer, à supplier la police une fois de plus de l'aider. Puis le bip est devenu de plus en plus fort, de plus en plus rapide et une explosion a donc eu lieu. Brian, qui était agenouillé de base, se retrouve couché sur le côté et la police ne bouge pas.
ils continuent à pointer leur arme sur lui. Et peu de temps après, les démineurs sont arrivés. Ils étaient très frustrés par la façon dont la police a géré tout ça. Ils ont découvert que la cause du décès n'était pas du tout une blessure au niveau du cou, mais en fait, ce qui a réellement explosé, c'était la bombe qu'il avait sur son torse, parce que la vraie détonation est venue de là. À ce moment-là, du coup, une fois que Brian était mort, la police a décidé de continuer la chasse au trésor. Il y avait une adresse en question et Brian devait de base se rendre le long d'une route, et quand ils sont arrivés, la police ont vu une camionnette bleue arrêtée qui est direct partie dès que la police est arrivée, mais en aucun cas la police a pris la plaque d'immatriculation ni le modèle. Sur le moment, en tout cas, ils n'ont pas fait de recherche sur cette camionnette bleue, mais retenez-la, ça va être important. L'affaire a été finalement transmise au FBI, puisque un vol à main armée dans une banque, c'est un crime fédéral, c'est donc le FBI qui s'est occupé de l'affaire. Un mandat de perquisition a été émis pour la maison de Brian, mais ils n'ont rien trouvé à l'intérieur indiquant qu'il était impliqué dans la conception de la bombe. La police, du coup, n'ayant pas trop de pistes, ils vont décider de faire une décapitation chirurgicale sur Brian, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à démonter donc ce qu'il avait autour de son cou, chose qui a énormément choqué la famille, parce que la famille était vraiment remontée contre la police de ne pas avoir écouté Brian, de ne pas avoir essayé de l'aider. Ils ont juste pointé une arme sur lui et ils ont attendu qu'il explose. Et pour la famille, du coup, ils respectaient plus cet appareil en question dont ils voulaient avoir des infos que Brian en lui-même. Parce qu'encore si la police aurait dit « Oui, on pense que Brian a été piégé, on veut juste trouver le coupable et du coup on a besoin d'avoir des infos. » Ok, tu te dis qu'ils font ça dans le sens de prouver que Brian n'est pas coupable. Mais à aucun moment la police se sont excusés auprès de la famille ou ont eu un minimum de compassion, vous voyez. La plupart des proches de Brian qui ont été interrogés vont vraiment dire que c'était un mec gentil. Il avait 3 chats. Il aimait danser quand il était très enthousiaste, c'était quelqu'un d'adorable. Il était également très proche de sa mère, il avait l'habitude de l'amener au cinéma chaque semaine. Et quand c'était la journée du cinéma gratuit, il amenait aussi un ami de sa mère qui n'avait pas trop les moyens. Il adorait les chasses au trésor et il adorait aussi son travail. La police vont donc enfin se pencher sur le dernier endroit où Brian a livré sa pizza. Et en allant sur place, ils vont voir donc qu'il y avait des traces de lutte donc sur le sol. Tous les gens qui bossaient dans la pizzeria où Brian bossait vont être interrogés par la police, pas parce qu'ils étaient suspectés, mais juste parce que c'était la procédure de base. Mais ils vont remarquer que quelqu'un se comportait d'une façon très étrange. C'était un autre livreur de pizza, du coup, qui s'appelle Bob. Et là, je tiens à vous préciser, il va y avoir pas mal de prénoms. Je vais essayer de faire au plus simple avec des photos pour tout vous illustrer. Mais quand ils vont se pencher sur qui était ce Bob, qui était quand même un ami de Brian, ils vont apprendre qu'il avait pas mal de soucis de drogue. Et ils lui ont demandé de venir au poste le lundi. Mais voilà que le dimanche soir, Bob a été retrouvé mort. La cause du décès après l'autopsie, on va apprendre que c'était une overdose. Mais c'est vrai que d'après l'autopsie, il y avait un point d'interrogation sur est-ce que c'était une overdose volontaire ou pas. Mais c'est vrai que pour la police, Bob n'était pas assez intelligent pour être derrière tout ça, ni Brian d'ailleurs, parce qu'ils vont se pencher donc sur la bombe en question et également sur le fusil de chasse, et tout était très très bien conçu. Ils vont dire que c'est vraiment une personne très intelligente et qui s'y connaît quand même, qui aurait pu faire ça. FBI va aussi déclarer que quand ils ont commencé à démonter la bombe, ils vont découvrir un petit bouton, que si Brian aurait appuyé dessus, il aurait 1 heure de vie supplémentaire. Donc ils supposent que c'était sûrement avec une de ses clés. En utilisant une de ses clés parmi les 4, ben ça lui aurait donné 1 heure de plus. Ils vont également dire que 55 minutes, c'était impossible de faire tout ce qu'il y avait à faire sur la lettre. Donc il y avait 1 heure supplémentaire. Mais ils vont dire que même en 2 heures, Brian n'aurait jamais pu tout faire. Ils vont dire que celui qui a conçu la bombe, il a fait d'une façon que la police n'aurait pas réussi à le désactiver, parce qu'il y avait beaucoup trop de câbles, beaucoup trop de choses, dans un but volontaire de faire perdre du temps aux démineurs, et que du coup, en 2 heures, ça aurait pas pu être possible non plus. Et vu que la police n'avait absolument aucune piste, ils vont décider de diffuser la lettre directement à la télé. C'était dans le but donc de voir si quelqu'un reconnaîtrait la façon d'écrire de cette personne ou l'écriture. Voilà que 3 semaines plus tard, la police vont recevoir un appel d'un homme qui disait que sa voisine,
sa voisine, qui est donc la locataire de son appartement, aurait encore dans son congélateur. Le nom de cette femme en question était donc Marjorie, et son ex-petit ami, en fait c'était son petit ami à la base, c'est pas qu'ils s'étaient séparés, j'ai dit ex parce que du coup il est mort, mais il s'appelle donc James, et celui qui a appelé s'appelle donc Bill. Je sais, ça fait beaucoup de prénoms, mais on a donc Brian, celui qui avait la bombe, ensuite on a Bob, donc le livreur ami à Brian qui est également décédé, ensuite on a Marjorie, ensuite on a James, celui qui est dans le congélateur et qui est décédé, et celui qui passe le coup de fil qui est donc Bill, et je vais vous en présenter deux autres. Bill du coup va dire à la police que cette femme était extrêmement intelligente et manipulatrice, et il va dire qu'il savait qu'il y avait encore parce que Marjorie, qui était son ex, l'avait appelé pour demander de l'aide en y allant sur place. Du coup, puisque c'était sa maison, il va apprendre que le corps en question était le corps de son petit ami, donc James. Après l'avoir aidé du coup à mettre le corps de James dans le congélateur, il va de suite regretter, et c'est donc pour ça qu'il a appelé la police. Il a été convoqué au poste de police et il va absolument tout expliquer. Elle était avec James depuis quand même 10 ans, donc c'est pas une petite relation. Et vous vous demandez sûrement, ok Giovanna, quel est le rapport avec Brian, du coup avec la bombe? Mais vous allez voir, il y en a un, ça arrive très rapidement. Les policiers vont donc aller chez Marjorie, elle va ouvrir la porte, ils vont aller voir le congélateur. Et en effet, ils ont donc retrouvé le corps de James décédé à l'intérieur. Et elle va dire à la police que c'était pas elle qui avait tué James, mais c'était Bill. La police va apprendre qu'elle a été diagnostiquée il y a des années donc de troubles mentaux, mais elle était également bipolaire. Et petite info à savoir, c'était pas la première fois que Marjorie était accusée de tuer un petit ami à elle, parce que dans le passé, elle avait tué son petit ami de l'époque, elle avait été jugée pour ça, mais elle a réussi à échapper à la prison parce que ça a été jugé comme de la légitime défense. Et c'est donc là que nos deux affaires vont se rejoindre, puisque Marjorie, pendant qu'elle était interrogée par la police, elle va donc dire totalement, comme ça, sorti de nulle part, que Bill était responsable de ce qui s'est passé à Brian Wells. Elle va dire qu'elle était prête à le dénoncer à la police et que Bill, du coup, a appelé la police avant elle pour qu'elle soit arrêtée et qu'ils ne prennent pas son témoignage au sérieux. Bill, qui était très coopératif avec la police, avait été libéré. Voilà, il a dénoncé ce qui s'est passé, il a regretté de l'avoir aidé. Merci beaucoup, au revoir. Pendant que Bill avait témoigné, il disait qu'il regrettait d'avoir aidé Marjorie au point qu'il a même essayé de se suicider. Et en fait, quand la police avait fouillé chez Bill pendant qu'il était donc en train d'être interrogé par la police, ben ils vont tomber justement sur un mot. Il avait écrit dans ce mot qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé avec Brian. Donc c'est la deuxième fois que la police entendre parler de Brian Wells. La police vont donc l'interroger sur ça et il va dire qu'il voulait tout simplement pas que la police perde du temps sur une piste qui n'avait rien à voir, mais les policiers vont dire une fois de plus que c'est très bizarre parce que personne n'avait un rapprochement entre lui et Brian Wells, donc ils comprenaient vraiment pas et ils vont se pencher sur ce côté-là. En se penchant sur Bill, ils vont donc apprendre qu'il habitait avec quelqu'un d'autre. Il habitait donc avec Floyd. Floyd était un prisonnier en fugue. Il avait été accusé d'abus sexuels sur une adolescente handicapée. Et Bill le savait, et pourtant il l'hébergeait quand même. Lorsque Floyd, il a été localisé, il a donc été interrogé sur le vol de banque, sur Brian Wells. Et il a dit qu'il ne savait rien. Le FBI lui ont fait passer un détecteur de mensonges. Et il est passé au détecteur de mensonges, donc ils l'ont laissé tomber. Bill, dans les mois qui ont suivi, il a été rappelé par le FBI quelquefois pour répondre à des questions, mais d'une façon très amicale, il a jamais été soupçonné. En janvier 2004, il y a eu donc l'audience en ce qui concerne Marjorie, donc parce qu'elle a tué son ex-petit ami. Bill, il a été appelé à témoigner. Il va dire donc qu'il pense que Marjorie l'a donc tué pour des problèmes financiers, mais Marjorie va donner sa version et le nom de Brian Wells va revenir une fois encore. Puisqu'une fois qu'elle a reçu sa peine, elle va se plaindre en disant que c'était pas juste qu'elle soit derrière les barreaux et que Bill soit libre, parce qu'au-delà d'avoir donc tué son petit ami, il était donc également responsable de ce qui s'est passé avec Brian Wells. Environ 7-8 mois après l'audience, Bill, il est décédé. Il avait un cancer de stade 4, il savait qu'il allait bientôt mourir. Et voilà que le FBI, qui continue à essayer de comprendre donc l'affaire Brian Wells, vont se pencher sur le cas de Marjorie. Et en regardant les documents qu'ils ont récoltés chez elle, ils vont tomber sur une lettre. Et c'était une lettre adressée à la banque, genre pas la banque, mais la banque avec l'adresse où Brian Wells a fait le cambriolage. Et dans cette lettre, qui n'a pas été envoyée,
et elle se plaignait tout simplement que son père, qui avait un coffre-fort dans cette banque en question, était en train de le vider et que c'était injuste parce qu'elle les a contactés plus d'une fois en disant que l'argent qu'il y avait à l'intérieur c'était à elle et que son père utilisait donc cet argent pour le donner à l'église et aider ses amis, alors que la police, une fois qu'ils se sont penchés donc sur le père de Marjorie, se sont rendus compte que cet argent était bel et bien à son père et que Marjorie n'était pas en contact avec lui. Pendant que Marjorie elle était en prison, elle va être contactée par un réalisateur qui voulait faire un documentaire. Peut-être qu'il avait compris qu'il y avait des chances qu'il y ait un rapport avec le cas Brian Wells, mais en discutant avec elle d'une façon très amicale, ben Marjorie va donc mentionner une camionnette bleue. Vous vous rappelez la camionnette bleue qui s'est enfuie, que la police n'ont pas pris la plaque, n'ont pas cherché à savoir à qui ça appartenait. Cette camionnette était quand même littéralement à l'endroit où il y avait écrit sur la lettre, et pourtant la police... Le FBI, ils vont vraiment se pencher sur tous les témoignages qu'ils ont eu, sur tous les documents, sur absolument tout. Et ils vont tomber sur une nouvelle info, puisqu'ils vont tout simplement trouver un dessin qui avait été récolté donc dans le garage de Bill. Et sur ce dessin, on voit littéralement la conception de la bombe. C'était un croquis exact. Autre chose qu'on va apprendre, c'est que le frère de Bill avait contacté la police. Vous vous rappelez quand la police a diffusé les lettres en question? Mais le frère de Bill avait contacté la police en disant qu'il était persuadé que ça pourrait être son frère, que c'était également la façon dont il écrivait et qu'il était vraiment obsédé par tous les engins comme ça. Et c'est pas la seule info où la police vont passer à côté, puisqu'un témoin va recontacter la police en ce qui concerne cette camionnette bleue. Il va dire que 2 ans en arrière, il les avait déjà contactés parce qu'il avait vu Marjorie conduire cette voiture ce jour-là, et il va dire qu'il avait contacté la police 2 jours après que Brian il était décédé pour donner cette info, mais on ne l'a jamais rappelé. Vous vous rendez compte? On va aussi apprendre que Bill il avait fait disparaître cette camionnette bleue, puisque quelques jours seulement après le cambriolage, il a appelé un garage et il a demandé donc à ce que sa camionnette bleue soit envoyé dans une autre ville. Et en fait, un gros problème qu'il va avoir dans cette enquête, c'est que les informations, vous voyez ces informations là que le FBI était passé à côté, mais ces infos étaient dispatchées entre 3 forces de l'ordre différentes, je sais pas comment appeler ça, mais il y avait donc la police de la ville qui avait ces infos, il y avait donc le FBI qui s'est emparé de l'affaire, et il y avait aussi une 3e équipe, je sais pas si c'était l'équipe de déminage qui faisait une affaire ou c'était la police régionale, c'était très confus, mais en tout cas ils étaient 3 à être sur la même affaire. Et tout bêtement, il y avait une compétition où ils voulaient pas se partager les informations, et du coup chacun avait une info, ils partageaient pas aux autres et ils avançaient pas. Marjorie, quand elle va être donc interrogée par le FBI en ce qui concerne le fait qu'elle a été aperçue en train de conduire la camionnette bleue près de la banque, elle va dire que oui, en effet elle était là, mais elle a pas donné de raison du pourquoi, du comment. Et puis on va avoir un témoignage très important. Donc quand il y a eu l'info de la camionnette bleue, il y a un témoin qui va dire qu'il a aperçu 2 personnes dans cette camionnette bleue à une station essence Shell, en train de faire un coup de fil depuis une cabine téléphonique. Et du coup il y a tout qui va se relier, puisque cette station essence elle est proche de la tour de radio où Brian Wells a été soi-disant kidnappé, enfin où on lui a mis cette bombe de force. Et quand on va montrer des photos à ce témoin en question, il va direct reconnaître Bill qui est décédé et donc Marjorie. La police vont garder cette information et ils vont continuer leur enquête. De toute façon, Marjorie, elle est déjà en prison. Et pendant que Marjorie était en prison, elle se vantait énormément de cette attaque en disant qu'elle avait énormément d'informations et qu'elle connaissait tout le plan. Et en fait, une des prisonnières qui était tout le temps avec Marjorie va être très intelligente, puisqu'elle va décider d'écrire tout ce que Marjorie disait, toutes les informations importantes. Et puis, elle va aller voir la police et elle va dire « J'ai des informations sur ça, ça, ça. Si vous me faites une réduction de peine, je vous dis tout. » Et ni un ni deux, la police vont avoir toutes les informations qui leur manquaient. Le détail assez intéressant, c'est que donc Marjorie va dire qu'ils avaient mesuré le tour du cou de Brian Wells, et elle va surtout parler d'un Ken. Marjorie parlait très souvent d'un homme qui s'appelait Ken. Ils vont retrouver très facilement qui est ce Ken, puisque c'était quelqu'un avec qui Marjorie allait à la pêche très très souvent. Ils vont donc le contacter et Ken va tout expliquer. Il va dire que oui, Marjorie l'avait donc contacté parce qu'elle cherchait quelqu'un pour tuer son père et aussi pour cambrioler une banque. Son but à Marjorie était de braquer cette banque pour prendre de l'argent et avec cet argent payer à Ken pour qu'il trouve quelqu'un pour tuer son père à elle. Bien sûr, Marjorie, elle va totalement nier
cette version, elle va dire qu'elle n'avait pas besoin d'embaucher quelqu'un pour tuer son père, puisque elle-même, elle a déjà tué ses deux petits amis. Voilà, il y a de quoi se vanter. Et elle va aussi dire qu'elle n'avait pas besoin de braquer une banque, puisqu'elle avait pas mal d'argent aussi. Et Ken va raconter une embrouille qu'ils avaient eue donc en 2003. Marjorie et Ken s'étaient disputés parce que Marjorie lui devait de l'argent. Et Ken va tout simplement demander à ses amis d'aller voler Marjorie. Et ils ont volé la somme de 100 000 $ en espèces. Donc pour le coup, elle avait vraiment de l'argent. Parce que perso, j'ai pas 100 000 $ chez moi, quoi. Et Ken ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va carrément dire qu'il connaissait tout le plan du braquage et que la personne qui a tout planifié, c'est donc Marjorie. Quelques jours avant que le braquage se produise, tout le monde s'est donc rejoint chez Bill. Et là, vous allez être choqués parce que je vais vous dire qui c'est qu'il y avait. Parce qu'il y avait donc Marjorie, Bill, Ken, James, qui est donc le petit ami qui est décédé de Marjorie, Bob, le livreur de pizza, qui est aussi mort, mais Brian Wells. Le rôle de Ken était de surveiller avec Marjorie Brian pour voir s'il faisait tout correctement. James, l'ex-petit ami de Marjorie, il devait donc s'occuper de la voiture de fuite. Sauf que le problème, c'est que avant que le cambriolage arrive, les deux se sont embrouillés. James a dit que c'était hors de question, que c'était complètement dingue, qu'il allait tout dire à la police si Marjorie ne laissait pas tomber cette idée. Et c'était pas dans le but de la nuire, c'est qu'il voulait pas que Marjorie se retrouve en prison. James était avec elle depuis 10 ans, il voulait pas que Marjorie ait des ennuis. Et c'est pour ça donc que Marjorie l'a tué. D'ailleurs, le jour du vol, quand Marjorie, elle est arrivée sans James, Ken, il a demandé à Marjorie, ben, il est où James? Et elle va dire qu'il était au lit, qu'il avait une grippe, alors qu'à ce moment-là, il devait être au fin fond de son congélateur. Ken va donc continuer en racontant ce qui s'est passé. Il va dire que Brian est arrivé, donc avec les deux pizzas au pepperoni, le jour du cambriolage, mais qu'une dispute a éclaté. Il sait pas trop pourquoi. Bref, ils ont mangé les pizzas et Bill, tout content, est donc arrivé avec la bombe pour montrer à tout le monde. À ce moment-là, c'est donc Brian qui a commencé à paniquer en disant que c'était n'importe quoi, mais non, vous allez pas vraiment faire ça. Il a essayé de partir, sauf qu'ils vont l'attraper et Bill va donc lui mettre la bombe autour de son cou. Et Bill va donc lui dire, si tu veux survivre, tu dois faire tout ça, en lui donnant donc le papier. Marjorie va donc lui mettre un t-shirt pour bien cacher la bombe en question, le fusil qui était donc déguisé en canne, et Brian est parti pour faire sa part. Marjorie et Ken vont donc suivre Brian et ils vont dire qu'ils étaient de l'autre côté de la rue et que quand ça a explosé, ils étaient choqués parce que de base, la bombe devait être une fausse bombe. En ce qui concerne le rôle de Bob, donc du coup l'autre livreur, ça a jamais été dévoilé et les gens se demandent si en fait sa mort par overdose, c'était pas du coup un assassinat. Lundi devait aller au poste de police et les autres personnes avaient peur qu'il parle et que du coup ils l'ont tué. De base, ça s'arrêtait vraiment là, mais il y a quelqu'un qui va venir donner des informations supplémentaires. Et heureusement, parce que on pensait vraiment que Brian, il faisait partie de tout ça, qu'il s'était porté volontaire pour porter le collier en pensant que c'était un faux collier, enfin une fausse bombe. Mais une femme va venir donner son témoignage et on va prendre donc que Brian a été piégé. C'est la dernière personne que je vais vous présenter dans cette vidéo parce que je sais qu'on a parlé de beaucoup de personnes différentes. Mais Brian, il avait l'habitude de voir plusieurs prostituées. Mais il y en avait une précisément dont il était devenu très très proche, mais amicalement, ils étaient très très amis. Elle s'appelait Jessica et en fait Jessica a pris contact avec ce producteur réalisateur en question pour donner des informations supplémentaires, sûrement contre de l'argent je pense, parce que je vois pas pourquoi elle serait allée dire tout ça sinon. Mais elle va donc avouer à quel point elle se sentait triste et coupable de la mort de Brian, qui était son ami. C'était une prostituée assez connue dans le coin et elle fréquentait donc également Ken. Et un beau jour, elle était donc chez Ken et va donc lui demander si Jessica connaissait quelqu'un qui serait très facilement manipulable, qui pourrait faire quelque chose sans vraiment se poser de questions. Et Jessica va donc parler de son ami Brian Wells. Il avait offert à Jessica 5 000 $ si elle trouvait quelqu'un d'influençable. D'après elle, quand elle se justifie, elle va dire qu'elle était donc défoncée depuis 3 jours et qu'elle avait vraiment besoin d'argent parce qu'elle était accro et qu'elle n'a pas réfléchi aux conséquences et que donc Ken lui a demandé d'amener Brian chez lui, un de ses quatre. Et quelques semaines après, elle a donc été chez Ken et elle a pris Brian avec elle en disant qu'ils allaient juste voir un ami pour manger une pizza. Et en fait, elle est juste arrivée chez Ken. Il y avait Marjorie également. Elle a donné Brian comme ça, elle a pris son argent, donc ils lui ont donné 1 500 $ et elle est ensuite partie. Et on sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation, qu'est-ce que Ken il a dit, est-ce que Brian il a accepté ou pas, on en a
aucune idée. Franchement, cette Jessica, elle m'a vraiment, vraiment énervée. Beaucoup pensent que Brian, il a été piégé parce que, comme je vous ai dit, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les jeux de société, qui aimait beaucoup les chasses au trésor et il n'était pas très intelligent, on va dire. Mais Marjorie, pendant le temps qu'elle était en prison, elle va dire que Brian, en tout cas, il ne savait pas que le jour où il est venu dans la maison, c'était le jour du cambriolage en question. Elle va dire qu'il a vraiment eu peur quand ils sont arrivés avec la bombe et qu'ils lui ont mis ça autour du cou, qu'il ne voulait pas participer. Et ça colle avec ce que la police ont trouvé sur place, puisque dans la terre, ils ont trouvé des traces de lutte, donc vraiment comme s'il avait essayé de se débattre. Franchement, j'ose même pas imaginer l'agonie que Brian il a vécu de se débattre contre trois personnes, qu'on lui mette ça autour du cou et qu'il essaye d'expliquer à la police qu'il n'a rien fait, qu'il a été piégé. Mais je pense qu'il n'a pas su comment s'exprimer avec la panique et que la police du coup ne l'ont pas cru. J'espère du fond du cœur qu'il pensait que la bombe était fausse et que du coup il n'a pas vu venir le truc à part quand ça a commencé à biper très très fort. Et la police pense que c'est le cas parce que une fois de plus il était très très calme quand il parlait à la police, comme s'il n'avait pas trop la notion de ce qui pourrait se passer. Le 15 octobre 2010, donc 7 ans après, Marjorie a été reconnue coupable de complot. Elle a pris 3 ans de prison en plus de ce qu'elle avait déjà pris, donc pour la mort de James. Encore aujourd'hui, enfin du moins en ce qui concerne la dernière fois qu'elle a donné une interview, elle continue à dire qu'elle n'est pas coupable, que ce n'était pas son plan, que c'est Bill qui était derrière tout ça. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui ont témoigné ont dit que c'était Marjorie qui a tout planifié et que Bill a été manipulé par elle parce qu'il était amoureux d'elle, il était obsédé par elle. Mais franchement, je sais pas pourquoi, je me demande si c'est pas les deux ensemble. Je pense pas que Marjorie toute seule ait planifié tout ça. Peut-être que c'était son idée, mais en ce qui concerne la conception de la bombe, en ce qui concerne le plan, en ce qui concerne le fusil de chasse transformé en canne, je pense que c'est quand même Bill derrière tout ça. Surtout que la police, ils ont dit que Bill était très très manipulateur, qu'il insinuait tout le temps qu'il était plus intelligent que tout le monde et que de toute façon on connaîtrait jamais son secret, et la police du coup pense que son secret c'était qu'il avait un cancer et qu'il savait qu'il allait mourir et que c'est pour ça qu'il était aussi sûr de lui. Dans l'histoire, Marjorie, Ken et Floyd étaient derrière les barreaux et Bob et Bill et aussi Brian étaient décédés. Mais voilà en ce qui concerne le triste cas de Brian Wells. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il a été manipulé ou est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il était d'accord mais que finalement ça s'est retourné contre lui? Parce que j'ai énormément lu ça, mais moi franchement, je pense que pour le coup il était vraiment naïf et il a été piégé. Après moi je suis un peu naïve, moi aussi de mon côté. Mais j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse deux autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle JVDT. Beijo, tchau!